Une vive altercation entre Christine Angot et l'économiste Sandrine Rousseau s'est déroulée jeudi soir lors du tournage de On n'est pas couché. La production a décidé de ne pas tout montrer. Christine Angot tient là son premier buzz, dans On n'est pas couché. Lors du tournage de la prochaine émission, jeudi soir, la romancière s'en est violemment pris à Sandrine Rousseau, venue présenter son livre Parler. Elle y raconte une agression sexuelle, dont elle aurait été victime de la part de l'élu écologiste Denis Baupin, dans des termes qui ont déplu à la chroniqueuse de Laurent Ruquier. Comme le révélait l'Express ce vendredi, Angot a pris à partie l'invité. « Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire je. » On ne peut parler que de son viol. Lui par le public, Christine Angot a quitté le plateau, malgré les appels de Laurent Ruquier à se rasseoir. Une séquence supprimée pour plus d'élégance, cette séquence sera elle diffusée à l'antenne, samedi soir, lors de la diffusion du montage final de On n'est pas couché. Selon France 2 et la production, si l'altercation vive, nous dit-on entre Sandrine Rousseau et Christine Angot sera bien présente, le départ du plateau de la deuxième ne sera pas montré. La teneur de l'interview sera conservée, et les propos ne seront évidemment pas dénaturés. Seul le bref passage du départ du plateau, qui, éditorialement, n'apporte rien sur le fond, apparaîtra pas à l'écran, nous explique-t-on. L'émission a en effet préféré ne pas diffuser cette image, à l'heure où plus rien ne s'efface, et faire preuve d'élégance. Comme c'est toujours le cas, avec On n'est pas couché, le rythme de l'émission sera resserré au montage, sans toutefois, assure France 2, que l'émission ne perde de sa saveur. Laurent Ruquier, joint par l'Express, s'est refusé à tout commentaire.